Coucou, alors aujourd'hui, un tuto d'aide. Voilà, sur les manches. J'avais fait le petit pull ici, c'était un échantillon pour le col V. Je vais venir faire des manches. Alors, pour les manches, mince, excusez-moi, j'ai fait un peu de bruit. On va venir récupérer toutes les mailles qu'on avait mis en attente. Sans couper le fil de sécurité, on coupera après, qu'on sera sûr que toutes les mailles sont bien sur notre aiguille. Là, toutes mes mailles sont sécurisées. Voilà, toutes les mailles sont sécurisées. Maintenant, on va pouvoir couper le fil Voilà. On a toutes les mailles sur notre aiguille. Alors là, je vais venir. Mince. Je vais alors attendez. Hop, on va venir plier comme ça. Ouais, comme c'est une petite manche. Alors ici, il y aura un petit trou, hein, mais c'est pas grave. Hein, vous inquiétez pas. On va tricoter à l'envers parce que là on commence sur un rang envers. On va venir prendre, moi c'est une autre couleur, hop, et venir tricoter à l'envers. Voilà. Vous revenez. Et toujours. Mince, pardon, excusez-moi. Vous allez bien serrer pour pas que ça vous fasse un trou. Hop. Voilà. Voilà, alors là, en fait, la manche, moi, ici, elle va se faire, pardon, tout à l'envers. Hein. On vient tricoter. Vous serrez bien, par contre. Hop. Voilà. Ça va vous faire un petit trou, mais ce n'est pas grave. Hein. Quand on va venir tricoter, le trou va. Va s'enlever.
Regardez. Là, il y aura un trou. Hein. Là. Bon, au pire, j'ai pas été récupérer de mailles pour me faire un petit peu plus de mailles dessous le bras, mais bon. C'est juste un petit échantillon. Hein. Et là, vous fermez bien. Je vais pas faire toute la manche avec vous, mais bon. Ben ouais, j'ai serré là. Hop. Et on serre quand même un peu, hein. Alors, je vais avancer ma manche de mon côté et je vous retrouve quand j'aurai fini. Voilà, j'ai fait quelques rangs. Hein, parce qu'après, la vidéo, elle va être super longue. On va dire que la manche, elle est la longueur voulue. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous pouvez faire des côtes de deux ou des côtes une et une. Voilà. Moi, je vais pas le faire parce que c'est juste un échantillon. Ici, il va y avoir un trou. Il y a de la laine. Vous allez venir prendre une aiguille. Hop. Alors. Vous. En fait, vous allez venir fermer le trou. Hop. Ah, attendez, parce que. Voilà. Ne faites pas. On va mettre ça ailleurs. Voilà. Et là, vous allez venir prendre dans le brin. Ah, attendez. Hop. C'est que j'ai pris de la. Pas une grande partie de laine. Et vous essayez de faire ça proprement. Hop. En fait, vous prenez un brin de l'autre côté. Pardon, excusez-moi, j'étais hors champ. Désolée. Voilà. Vous tirez un petit peu. Et voilà. On ne voit plus le trou. Voilà. Voilà. Ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a été utile. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous a plu.
Allez, je vous dis à plus tard dans un nouveau tuto.